Je vous remercie de m'avoir invité pour expliquer un petit peu mon expérience. Mohamed Membiche, moi je suis biterrois. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'informatique et j'ai travaillé pendant 22 ans à Paris. Comme j'en ai eu marre de Paris, je suis revenu ici et j'étais trop vieux, trop cher, donc il fallait que je trouve une autre solution. J'ai commencé à prospecter et j'ai trouvé l'idée de autolavage service bio, nettoyer des véhicules avec des produits issus de la chimie verte, donc écologique, du blé, des extraits d'agrumes, de l'huile essentielle. Et l'idée, c'est, comme vous le faites dans votre cuisine ou dans votre salon, c'est de nettoyer une table avec une lingette et des produits. Et nous, on fait pareil pour les voitures. Donc, il y a des produits pour l'extérieur, des produits pour l'intérieur, des tableaux de bord, les jantes, etc. L'entreprise, on l'a créée en 2008. Je l'ai créée en 2008. Et en 2008, j'étais tout seul. Je faisais le commercial, le nettoyage, la prospection, l'administratif, qui est un peu léger maintenant, qui devient lourd. Et au fur et à mesure du temps, on a grandi. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est Béziers, Montpellier, Narbonne. C'est 37 salariés. Et notre spécificité, c'est de nettoyer les véhicules directement chez nos clients. On se déplace chez vous, soit à votre domicile, soit sur votre lieu de travail. Nos clients, ce sont les concessionnaires, enfin les professionnels de l'automobile, les Renault, les Peugeot, les Citroën, et les entreprises qui ont des flottes d'entreprises. Typiquement, vous êtes dans une entreprise, vous avez 10, 15 véhicules, on va définir un contrat, chaque mois, chaque 2 mois, on va venir, on nettoie vos véhicules et on revient comme ça. La spécificité de l'entreprise aussi, c'est que nous avons aujourd'hui 37 salariés, dont 15 qui sont dans l'insertion professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont, pour des raisons X ou Y, déménagement, perte de travail, etc., n'ont plus de travail pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont perdu la confiance. Et nous, à travers ce métier, qui n'est ni bac plus 5, ni bac moins 5, simplement la motivation, la volonté, on les ramène vers le chemin du travail et on les aide à travers 2 accompagnateurs socio-professionnels à rebondir vers un métier pérenne, leur métier de départ ou un autre métier, une fois qu'on l'a jugé avec eux, utile et faisable. Parce que si quelqu'un veut être conduire des avions, ça va être un peu compliqué, je n'ai pas les compétences. Mais typiquement, quelqu'un qui était électricien, qui n'a plus de boulot, il revient vers nous, il travaille. Donc il a une sécurité d'emploi, il a un salaire, il a un environnement, il a des collègues avec qui travailler, et les accompagnateurs socio-pro qui sont là pour l'aider à trouver les solutions à son emploi. C'est des parcours de 2 ans, et au bout de 2 ans, normalement, ils reviennent vers un métier, comme je disais tout à l'heure, soit vers leur métier de départ, soit un autre métier. Rapidement. Voilà. Oui, rapidement. Peut-être une première question, parce qu'on est dans la thématique et du salon et de cette table ronde. En quoi êtes-vous innovant ? L'innovation, elle vient du fait qu'on utilise des produits. Dès les années 50 aux États-Unis, il existait déjà ce procédé de nettoyage, on va dire, à sec. Il appelle ça plutôt à sec. Mais c'était des produits assez chimiques, assez dangereux, aussi bien pour l'environnement et surtout les hommes et les femmes qui les utilisaient. Notre innovation à nous, elle vient de l'aspect produit qui est vraiment sain, qui n'est pas dangereux pour l'environnement, pour le travailleur, et les véhicules, bien sûr, parce que si on vient chez nous, c'est pour avoir des beaux véhicules, c'est pour avoir des voitures rayées ou avec des réactions chimiques. Ça, c'est le premier point, donc des produits écolo. Et deuxième sujet, c'est de travailler directement chez vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de venir prendre rendez-vous, venir laisser le véhicule, revenir le chercher. C'est nous qui nous déplaçons. Ça, c'est le sujet. Et puis après, bon, l'intérêt de travailler avec l'environnement et le social. Vous avez certainement dû rencontrer des difficultés. Comment les avez-vous surmontées dans l'établissement de votre projet et puis par la suite de votre développement ? Bon, quand j'étais dans mon ancien métier, j'avais des responsabilités, bien sûr, mais je ne voyais pas le côté de l'iceberg qu'on dit caché. Hein. C'est-à-dire que toute la partie ressources humaines, administration, on était plutôt des commerciaux, on vendait des solutions. Et puis tout ce qui était paye, ressources humaines, gestion des carrières, bon, on s'en fichait un peu hein, parce que ce n'était pas notre truc. D'un coup, on se retrouve avec le commercial, mais ça je maîtrise, mais toute la partie cachée de l'iceberg. Et on est seul et on se retourne et on dit mince, comment je fais ça et comment je fais ça. Donc après, il faut savoir se tourner, savoir développer son réseau, savoir aller à l'essentiel. La chambre des métiers est un point d'accueil avec qui on peut travailler, avec qui on peut répondre à ces questions-là. J'ai aussi je suis allé vers d'autres réseaux. Qui étaient soit des petites entreprises qui faisaient un réseau entre elles, soit des grosses entreprises.
Et ça me permettait d'échanger avec des collègues, chefs d'entreprise, qui avaient tel ou tel souci et qui ont trouvé des solutions. Et cet échange-là m'a permis, à un moment donné, de sortir la tête de l'eau, de ne pas me retrouver tout seul et d'utiliser l'expérience de mes pairs pour améliorer mon cursus. Comment vous voyez votre avenir aujourd'hui, l'entreprise notamment ? Bon, moi, chaque jour est un jour nouveau, hein, donc c'est ce qui est intéressant dans ce métier. Lorsqu'on voit aussi ce qu'on fait avec nos collaborateurs et d'où ils partent et ce qui deviennent après, ça me satisfait au jour le jour. Et donc, je n'ai qu'envie, c'est de développer tout en restant local, puisque nous, notre métier, c'est sur le local. On ne va pas aller travailler et aller dans notre pays, quoi. Donc, pour le moment, c'est ici, c'est local et on veut développer le local. Vous avez parlé d'innovation, notamment dans le produit, dans votre démarche vis-à-vis des clients, mais vous avez également une démarche un peu innovante vis-à-vis de vos salariés. Alors, il y a cette politique d'insertion que vous avez, mais vous-même, vous vous engagez personnellement auprès d'eux. Vous êtes proche d'eux, vous les soutenez, vous les formez. Qu'est-ce que vous faites là ? Expliquez-nous. En tant que chef d'entreprise, ou même en tant que, ce qui est important, c'est que lorsqu'on fait faire quelque chose à quelqu'un, on est capable de le faire soi-même. Donc moi, si aujourd'hui, je mets quelqu'un sur une voiture ou sur un camion, ou on fait aussi les trams de la ville de Montpellier, pour info. Si moi, je ne suis pas capable de le faire, pourquoi quelqu'un d'autre pourrait le faire ? Sauf s'il est plus grand que moi, parce qu'il accède plus haut. Ça, c'est normal. Mais techniquement, je leur mets tous les moyens pour qu'ils puissent réussir. Et ces moyens, je les ai mis en place. Ce matin, à 8h, on a démarré un petit chantier. J'étais là, à 8h du matin, avec eux. On a bu un café et on a démarré ce chantier qu'on ne connaissait pas. Le client, nous ne le connaissions pas. Et le fait d'être là, de voir ce qu'il y a à faire, on a réglé, on est allé chercher des affaires ici, on a demandé l'organisation du chantier. Et ça m'a permis de vérifier que dans le timing que je demande, on l'a réussi. Et on ne peut pas me dire, ah non, ça ne marche pas, on n'a pas réussi, je l'ai fait. Donc ça, on ne peut pas me... Après, en fonction de la personne, on va plus ou moins l'orienter vers tel ou tel process. Mais tout ce qui est à faire, je sais le faire. Moi, je croyais que les tramways ils étaient nettoyés dans des tunnels à Gare au Sud. Ce n'est pas ça ? On court derrière et on les nettoie en même temps. D'accord, vous montez en haut de l'échelle. Comment vous faites là ? Non, mais on les nettoie en fin de journée. En fin de journée. Et oui. Vous occupez tous les tramways ? Non, c'est nous. Non, pas tous les tramways, parce que j'ai un petit concurrent qui s'appelle Nicolas en face. Ah. Donc, il utilise beaucoup d'eau, lui. Hein. Ah, ça. Il n'y a pas que de l'eau, oui. Comment ça, il n'y a pas que de l'eau ? Non, mais bon, il faut des produits quand même. Non, en fait, on a des chantiers qu'on va travailler de jour, c'est les concessionnaires. Ouais. Hein, donc là, eux, mais après, il y a des chantiers qu'on va plutôt travailler en fin de journée. Hein, les bus, les cars, les tramways, les camions, dans la journée, ils sont utilisés, donc il faut travailler en fin de journée. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui sont là, qui ont peut-être un projet, qui sont en train de réaliser, de monter Voilà, il faut oser. Je pense que c'est ça le mot. Le mot aujourd'hui, c'est oser y aller. Il faut y aller. Il faut aller voir la Chambre des métiers, aller voir des partenaires, discuter, mais oser passer le pas. Parce que nous, en fait, on a beaucoup de tendance à beaucoup réfléchir et pas agir. Et il faut des faiseux et pas des liseux, comme on dit. En tout cas, vous êtes plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Philippe Rajosefa, vous qui avez cet œil extérieur, prenez le micro qui est là. Cet œil extérieur, comment vous voyez le parcours de monsieur, qui est un joli parcours, hein, déjà. On sait qu'il réussit, ça fait des années. Moi, je le croise régulièrement sur des scènes comme ça où on lui remet des prix. Hein. On sait qu'il fonctionne bien. Comment vous voyez ce qu'il a fait ? Alors, son parcours, il est tout à fait intéressant. Et moi, je dis souvent, les artisans sont des monsieur Jourdan, des monsieur Jourdan d'innovation. Et dans le monde des start-up un petit peu anglo-saxon, on parle beaucoup de lean start-up, de pivot. En fait, les artisans, ils font ça depuis 40-50 ans. Quand il dit qu'il pivote, qu'est-ce qu'il va faire en fait ? Il a été voir des clients sur le terrain, il a amélioré ses processus, il a amélioré ses services. Il a dit, tiens, de manière très pragmatique, je pourrais réaliser ce type de service pour tel type de client. Il a rencontré le marché très tôt. Il s'est frotté au marché d'ailleurs en étant lui-même l'opérateur de l'ensemble de la fonction de l'entreprise. Il n'a pas innové dans le domaine des produits ou des services. Il a fait de l'innovation managériale. Il a fait de l'innovation de processus. Donc on voit bien que tout, mais de manière très pragmatique, je pense qu'il n'a pas pensé à « je vais innover d'un point de vue managérial ». C'est avec beaucoup de pragmatisme et de bon sens que les choses se mettent en place en recherchant une efficacité, à quelque chose de très pragmatique. Et vraiment bravo, parce que c'est des start-up qui font 37 salariés, des start-up dites à consonance anglo-saxonne, dans le numérique, etc. On n'a pas tant que ça. Hein. Donc félicitations, c'est vraiment un très beau parcours. Et je pense que ce qu'il a aidé dans son parcours, c'est d'être
en permanence confronté aux réalités du marché et à s'adapter en permanence à ses attentes, tout en conduisant son projet avec une vraie vision sociale, hein, d'intégration de populations en difficulté, en insertion. Et ça, vraiment, c'est une... Donc, il fait de l'économie sociale et solidaire, il fait de l'innovation sociale également. Il en fait donc des projets qui font autant de types d'innovation, on n'en a pas tant que ça. Voilà. Monsieur Bembich, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour continuer à vous développer ? Nous, ce qu'on a besoin, c'est tous les besoins des chefs d'entreprise et des entreprises, c'est des marchés, tout simplement. C'est des clients qui croient en nous, qui nous font confiance et qui nous font vivre et qui font développer l'entreprise, créer de la valeur, créer de l'emploi. Aujourd'hui, la meilleure des idées, si derrière il n'y a pas de marché, bon, mais malheureusement, c'est une idée qui est morte avant d'avoir été créée, quoi. Donc aujourd'hui, c'est les clients qui font que derrière, ils nous font confiance et nous, on leur a leur confiance avec la qualité de tous les jours. Alors au départ, il a dit qu'il a été accompagné, M. Roche-Joseffa, par la Chambre de métiers notamment. Aujourd'hui, vous êtes un expert de l'accompagnement et vous le disiez notamment des start-up, Créalia, le fonds d'amorçage, le fonds de soutien des entreprises nouvelles, notamment dans le numérique, vous l'aviez dit. Synergie, ce sont les pépinières qu'on connaît ici à Montpellier. Quand on est à ce stade-là, quel autre accompagnement on pourrait donner? Alors je ne sais pas si je fais exprès de poser mettre les pieds dans le plat, je ne sais pas si c'est d'autres compétences, je ne crois pas, mais comment on pourrait l'aider? Lui, tout de suite, hein, sa chef d'entreprise, il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché, c'est le chiffre d'affaires, et surtout, c'est la marge qui en découle. C'est ça qu'il dit. Hein. Est-ce qu'il y a des moyens de l'aider là aussi, ou est-ce qu'on s'est déjà arrêté? Non, je crois que ça ne s'arrête jamais. Hein. C'est un mouvement perpétuel. Et puis, s'arrêter ou ralentir, c'est prendre le risque de chuter. Donc, je pense qu'il est en permanence, en anticipation. Moi, j'ai découvert, en m'intéressant à l'innovation managériale et à l'innovation artisanale, deux structures qui sont très importantes au niveau des chambres de métiers. C'est l'Institut supérieur des métiers et les pôles d'innovation, d'artisanat et des petites entreprises. Et j'ai découvert leurs travaux. Ils font des travaux vraiment remarquables sur l'innovation dans le monde des artisans. C'est qu'aujourd'hui, les chambres de métiers ont vraiment toutes les compétences pour être extrêmement performantes sur l'accompagnement et l'innovation artisanale, sans qu'il y ait le côté artisan ou TPE. C'est une façon de voir des métiers de proximité, parce que l'artisanat, à la différence des start-up plus classiques, c'est souvent des métiers sur des territoires ou de l'économie de proximité, mais c'est aussi aujourd'hui des entreprises artisanales qui vont, on le verra tout à l'heure avec Thomas et Nadège, qui vont à l'étranger, qui vont à l'international. Donc il n'y a pas de limite. Donc alors là, on est sur un outil d'une prestation de service. Demain, on pourrait imaginer qu'ils puissent exploiter un certain type de procédé, qu'ils puissent franchiser une marque. Alors, parfois, faut pas trop grandir trop vite non plus. Hein, donc, et aller sur des marchés, sur des régions limitrophes, voire au marché national. Pourquoi pas ? On a des tas d'exemples de projets. On avait celui d'un autre projet qui démarre comme un projet artisanal, qui se franchise au niveau national et qui peut connaître une croissance vraiment très très importante.